Is capitalism broken? Is it time to try something else? Which side are you on? The Monk Debate on Capitalism. Watch it on CPAC. Your connection to people, to communities, to our country. Your connection to the full story. CPAC, created by cable for Canadians.
Order. À l'ordre. Conformément à l'ordre. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. Order. Conformément à l'ordre adopté le jeudi 5 décembre 2019, la Chambre procédera maintenant à des déclarations à l'occasion du 30e anniversaire de l'événement tragique à l'École polytechnique de Montréal. Je donne maintenant la parole au très honorable Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Il y a 30 ans aujourd'hui, à l'École polytechnique de Montréal, 14 femmes ont été assassinées dans un attentat antiféministe. 30 ans depuis que Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau et Barbara Daigneault ont été tuées de sang-froid. 30 ans depuis que la vie d'Anne-Marie Édouard, Maude Haviernick, Maryse Lagagnère, Maryse Leclerc et Anne-Marie Lemay s'est terminée dans les circonstances les plus tragiques. 30 ans depuis qu'on a perdu Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte et Barbara Klotchnik-Vidajavitch. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour pleurer la perte de ces femmes, de ces filles, de ces sœurs, de ces amis, de ces collègues. Mr. Speaker, each December, as we honor the memories of those 14 women, the survivors, and the families, we promise to do better. But the reality is that in 30 years, things haven't changed enough. Women, girls, and people of diverse gender identities still face unacceptable and preventable violence. Violence that destroys lives, families, and communities. It is more than time for change. It is more than time to put an end to gender-based violence, including the national tragedy of missing and murdered Indigenous women and girls. Because it is more than time to build a country where everyone is safe and where everyone's rights are respected and realized. Mr. Speaker, to find the way forward, we need only look around. From coast to coast to coast, people are coming together and saying, enough is enough. Students and parents, women and men. They're saying no to misogyny, to sexism, to hatred, and to discrimination. To the survivors, advocates, and everyday Canadians who have taken up this work, your courage is powerful, and we will always stand with you. Monsieur le Président, nos gestes en disent plus long que nos mots. C'est pourquoi on s'appuiera sur les progrès réalisés grâce à la stratégie pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe pour élaborer un plan d'action national. C'est également pour cette raison qu'on investit dans des organisations menées par des femmes au Canada et ailleurs dans le monde. Mais on ne peut pas s'arrêter ici. On doit faire plus parce qu'encore aujourd'hui, nos communautés pleurent la perte de leurs proches en raison de la violence armée. This fall, I announced that we will strengthen gun laws and ban the type of weapons used at École Polytechnique. These weapons, designed to kill the largest number of people in the shortest amount of time, have no place in our communities, in our streets, in our country. Too many lives have already been lost, and thoughts and prayers won't stop another tragedy. Mr. Speaker, it's time to take real steps to end gun violence in Canada. Le 6 décembre 1989, j'étais au Cégep
à quelques coins de rue de l'École polytechnique. Je me souviendrai toujours de cette soirée meurtrière. Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons tous de cet événement terrible il y a 30 ans, nous devons agir pour faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Pour nos sœurs, pour nos filles, pour nous tous. Merci, Monsieur le Président. I now recognize the Honorable Leader of the Opposition. Elle était 14. 14 jeunes femmes intelligentes et pleines d'ambition. Elles avaient un avenir prometteur. Elles avaient la vie devant elles. Personne ne sait quand viendra son heure. Et ces jeunes femmes-là n'auraient jamais pu deviner que la cruauté d'un homme s'apprêtait à leur voler ce qu'elle avait de plus précieux, la vie. Exactement 30 ans passés, elles se rendaient à l'université. Pour plusieurs d'entre elles, c'était la dernière journée de cours. C'est normalement un jour heureux. En se levant ce matin-là, à quoi pensait-elle? Peut-être qu'elle souriait en pensant au temps des fêtes qui approchaient. Dans quelques jours, elle reverrait leur famille et leurs proches. Peut-être même qu'une chanson de Noël leur venait tête. Elle était sûrement un peu nerveuse en pensant aux examens qu'elle allait devoir écrire bientôt. Peut-être qu'elle rêvait au projet qu'elle espérait entreprendre. There were 14 of them, 14 smart young women filled with ambitions. They had a promising future. They had their whole life ahead of them. They deserved to have their whole life ahead of them. And those young women could never have guessed that a man's cruelty was about to rob them of what was most precious to them, their lives. Exactly 30 years ago today, they were heading to university. For several of them, it was the last day of school. It should have been a happy day. When they got up that morning, what were they thinking about? Maybe they were smiling, thinking of the holidays that were coming. In a few days, they would see their families and loved ones. Maybe they had a Christmas song stuck in their head. They were probably a little nervous thinking of the exams they would have to write soon. Maybe they were daydreaming about their future, dreaming of what they could become. Tous ces espoirs et ces rêves furent brutalement détruits en après-midi, lorsqu'un homme commit un crime violent et horrible. À la Polytechnique, le 6 décembre 1989, il sépara les femmes et les hommes et tira sur les femmes. Il en assassina 14 et fit plusieurs autres blessés. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Couture, Barbara Dagnon, Anne-Marie Edward, Maude Havernier, Barbara Klutschnik-Vidovich, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Tercotte ont perdu la vie. Ces 14 noms méritent d'être lus et honorés. Les victimes de la Polytechnique ont été assassinées ou blessées par un homme qui les ciblait parce qu'elles étaient femmes. 30 ans plus tard, en ce jour du 6 décembre, nous prenons le temps de souligner la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Those hopes and dreams were brutally ended that afternoon when a man committed a violent and horrific crime. On December 16th at the Polytechnique, in an unthinkable act of hatred and spite, he separated the men and the women and then began to shoot the women, murdering 14 and wounding many others. The names of those killed deserve to be read and honored. The victims of the Polytechnique were murdered or wounded by a man who targeted them simply because they were women. 30 years later, we pause on this day, December 6th, to mark the National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women. En tant que père de trois filles merveilleuses, en tant que frère de deux sœurs brillantes, et en tant que mari d'une femme sans pareil, ça me fait mal de penser que ces femmes que j'aime tant, et toutes les femmes aujourd'hui, doivent encore se préoccuper de leur sécurité parce que ce sont des femmes.
Il est tout à fait inacceptable que la violence faite aux femmes soit d'actualité. C'est pourquoi je me propose et je propose à tous les Canadiens de ne pas se contenter d'être respectueux envers les femmes. Soyons également proactifs et prouvons par des gestes concrets à quel point nous avons à cœur la sécurité et la dignité de chaque vie de chaque femme. 30 ans plus tard, honorons la mémoire de ces victimes innocentes. As a father of three wonderful young girls, as a brother to two brilliant sisters, and as husband to an amazing wife, it pains me to think that these women I love, and all women today, are still concerned for their own safety simply because they are women. It is unacceptable that violence against women remains an issue to this day. That is why we must all resolve not to be content with simply respecting women, but we must call on each other, on all Canadians, to be proactive and demonstrate with our actions how much we value the safety, dignity, and value of every life of every woman. Let us consider the messages we send about the value, worth, and dignity of women in our speeches, in our actions, in the examples we set for our sons and daughters. May we each decide that we will each do our part to make Canada a safer place, and in this way, 30 years later, let us honor the memory of the victims of the Polytechnique. Thank you, Mr. Speaker. Je donne maintenant la parole à l'honorable député de Shefford. Merci, Monsieur le Président. Sur le mur de l'École Polytechnique, une plaque, 14 noms y sont gravés. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maude Aviernik, Barbara Klushnik-Vidajevic, Maryse Lagagnère, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte. 14 vies volées. 14 femmes, Monsieur le Président, assassinées parce qu'elles étaient des femmes. 14 femmes. 14 filles, conjointes, sœurs, amies, arrachées à ceux et celles qu'elles aimaient, à ceux et celles qui les aimaient. L'attentat antiféministe de Polytechnique n'a pas fait que 14 victimes. Elle en a fait beaucoup plus. Des milliers, des millions. Le Québec tout entier, 30 ans plus tard, vit encore avec ce fardeau, ce sentiment désagréable de s'être sali. C'est arrivé chez nous. Un geste commis par l'un de nous. On a tous perdu quelque chose le 6 décembre 1989. Un homme est entré dans une classe, dans un lieu de savoir et de connaissance, a séparé les hommes et les femmes, a laissé partir les hommes, aligné 9 femmes et a fait feu. Une des étudiantes, Nathalie Provost, a fait face à cet homme armé, a essayé de le calmer. Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiant l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans les rues criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. 6 sont mortes, 3 ont été blessées. Juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale.
Et puis il quitte la classe et sème la terreur pendant 20 minutes dans l'école. Une école, Monsieur le Président, c'est ce qu'on souhaite tous pour nos enfants. Va à l'école, apprends, trouve le métier qui te convient, contribue à la société, fais de ton mieux. Dans une école, une université, c'est là que la lâcheté, la haine, la misogynie et la violence ont sévi le 6 décembre 1989. Il ne suffit pas de commémorer Polytechnique. Il ne suffit pas de se rappeler où nous étions, avec qui nous étions. Ça ne suffit pas. Non. 30 ans plus tard, il faut continuer le combat pour qu'il n'y ait plus jamais d'attentats antiféministes du 6 décembre 1989. Dans nos livres d'histoire, 14 noms sont gravés. Geneviève Bergeron, Hélène Colgun, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Aviernik, Barbara Kluchnik-Vidayevic, Maryse Lagagnère, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte. Pour vous, nous devons agir. Vous êtes à tout jamais les porte-étendards de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, une part de notre conscience, un élan qui nous inspire à faire mieux, à être une meilleure société. Monsieur le Président, 30 ans plus tard et après 30 ans après ce jour infâme, engageons-nous solennellement à lutter contre la misogynie, à lutter contre la haine et à combattre la violence à l'égard des femmes. Cet engagement doit dépasser les mots et nous avons en cette Chambre la capacité de poser des gestes réels pour que l'attentat antiféministe de Polytechnique ne se reproduise pas. Nous pouvons resserrer le contrôle des armes à feu et je parle ici en particulier des armes d'assaut et des armes de poing. Resserrer le contrôle des armes aux frontières. S'assurer que les acquéreurs d'armes à feu ne soient pas des menaces pour la vie de qui que ce soit. Nous devons agir contre la violence quotidienne aussi à l'égard des femmes, ces claques sur la gueule, cette violence sale que subissent les femmes simplement parce qu'elles sont des femmes. Il faut bouger. Il faut agir. Nous avons un devoir de vigilance. Pour ces femmes que nous avons perdues le 6 décembre 1989, pour ces femmes que nous avons perdues depuis, pour que ça n'arrive jamais plus, agissons. Merci, M. le Président. I'll recognize the honourable member for Burnaby South. Thank you, Mr. Speaker. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les néo-démocrates pour me souvenir du jour terrible du 6 décembre 1999, où 14 femmes ont été tuées par un homme
qu'il est détesté pour leur sexe. Even after 30 years, it's still horrific to think of these deaths. How young the women were and how much promise their lives held. But what continues to hit me today is how ordinary violence and the message it sends to women is. We need to stop putting the responsibility of being safe on women and girls and start putting that responsibility of respecting women on men. La haine des femmes qui a alimenté le tireur ce jour, il y a 30 ans, n'a pas disparu. C'est ici, tous les deux jours et demi, qu'une femme, une fille est tuée dans notre pays. Le plus souvent, par quelqu'un qu'elle connaît. It's here, when women walk home at night with their keys in their hands and a friend on speed dial to make sure they make it home. It was in Toronto last year when a bitter young man with a violent hatred for women ran down 10 people with a van. And it is here every single day when Indigenous women and girls are dehumanized, stolen from their communities, and murdered. 30 ans après que les Canadiennes et Canadiens aient dit plus jamais à la suite de la tragédie de l'école polytechnique, nous devons reconnaître collectivement qu'il nous reste un long chemin à parcourir pour respecter cet engagement. Le changement systémique commence quand les gouvernements prennent au sérieux la violence des hommes à l'égard des femmes comme l'épidémie qu'elle est. Avec un plan d'action national financé pour mettre fin à la violence basée sur le genre. It means calling out damaging language that blames women, dehumanizes survivors, and excuses men's brutality wherever it appears, in our media or in our justice system. It means listening to women and believing them when they share their experiences. It means men working every day to become better feminist allies and holding other men to account for sexism and misogyny. It means making sure that when a woman, girl, or trans person needs access to counseling or to a shelter, it's there for them with no wait, no matter where they live. It means that groups providing these services on the ground have stable funding so that they can focus on helping women escape violence and rebuild their lives, not on scraping by each funding cycle. And it means all of us in this house naming this epidemic for what it is, men's violence against women. Aujourd'hui, 30 ans après ce horrible 6 décembre, nous nous souvenons et pleurons 14 jeunes femmes qui ont été tuées parce qu'un homme détestait les féministes. J'espère que dans 30 ans, nous considérerons ce mouvement comme le moment où, en tant que pays, nous avons dit assez. There is no such thing as an isolated incident of violence against women. There are only choices that we make as Canadians. And today, we see that one death is one too many. That toxic masculinity hurts us all. Que toutes les femmes et les filles ont droit à la pleine humanité, à la sécurité, au bonheur, à la liberté et l'ambition. Et que nous appuierons ce choix par l'action. À la mémoire des milliers de femmes et des filles tuées par la violence des hommes. En ce jour, nous ne leur devons rien de moins. Merci. I now recognize the honourable member for Fredericton. Mr. Speaker, honourable members, I would like to acknowledge the unceded, unsurrendered homeland of the Anishinaabe and Algonquin nations on which we stand.
Aujourd'hui, c'est la journée nationale de commémoration d'action contre la violence faite aux femmes où nous nous souvenons des victimes de l'attentat de l'École polytechnique le 6 décembre 1989. Un acte immonde explicitement anti-féministe. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais plutôt la conséquence directe de la misogynie rampante dans notre société. Cette violence qui cible spécifiquement les femmes n'a toujours pas été éradiquée dans nos communautés. Misogyny continues to exist today and has seen a resurgence as of late. As with racism or homophobia, we must name it so we can end it. There can be no place for gender-based hatred in our society. This day commemorates a living history of ongoing violence against women and girls and members of the LGBTQIA2+ community, particularly those that also face other forms of discrimination for their race, religion, or economic status. Whether it is in the echoes of a fight from the apartment upstairs, in hateful comments on Facebook or Twitter, or in the backlog of case files of missing and murdered Indigenous women and girls, we must not forget that there is still so much violence and marginalization facing women across this country. We must work to educate society about consent and about our responsibility to call out violence where we see it, to intervene and to help prevent instances of abuse. As we must support women who are seeking to end the violence they face, we must believe them. Hier, Radio-Canada dévoilait que le Nouveau-Brunswick, c'est la province où le plus de meurtres intrafamiliaux suivi d'un suicide surviennent à travers le pays. Ce que les homicides sont commis à 70% dans nos communautés rurales. Ces décès tragiques prouvent qu'il y a un manque criant des services essentiels afin de soutenir les femmes qui font face à toute forme de violence. By the same token, we need to support women who continue to push boundaries and break through the glass ceilings in their own worlds, despite the challenges and sometimes the dangers that that brings. Today, I remember the 14 women cut down in the massacre at l'École Polytechnique. And today, I commit to women across Canada, indeed across the world. I believe you. I support you. There is no room for misogyny in Canada. I remember. Je me souviens. Nwebi de Hanuman Uj. Merci, Waliwin. Thank you. J'invite les députés à se lever et observer une minute de silence en mémoire des victimes de l'événement tragique survenu il y a 30 ans à l'École polytechnique de Montréal. Orders of the day. Ordre du jour, adresse en réponse au discours du trône. Resuming debate, the Honorable Leader of the Opposition. Appreciate some of the applause from the other side, but they haven't heard what I'm about to say yet, so. They might want to retract it in a few moments. I appreciate that. Thank you.
Thank you very much, Mr. Speaker. And as we take our seats and take up the people's business in this chamber, we all share in a privilege of protecting the hopes and dreams of our neighbors and communities and our fellow Canadians through the work we do in this chamber. And as I return here for the sixth time, I am so grateful to once again have earned the confidence of my constituents in Regina Capel. Because this seat does not belong to me, it belongs to them. None of the seats in this chamber belong to any of us, including the Prime Minister's. Instead, these seats all belong to the people who sent us here. And they sent us here to get to work. Canadians sent us here to make sure the country works for them, for their jobs, their livelihoods, their cost of living, for their health care, their environment, the safety of their communities, and the security of our country on the world stage. Monsieur le Président, il est clair que nous avons beaucoup de travail. Et peu importe notre parti, peu importe notre région, nous avons tous l'obligation d'écouter, d'apprendre, de grandir et de nous améliorer. Nous tous, des deux côtés de cette chambre, nous devons attendre mieux de nous et des uns des autres. Now, this is particularly true in light of the results of the last election, in which the people sent a clear message to all of us that the status quo had failed, that the approach of the previous 4 years just wasn't good enough. Canadians want better, and as the strongest opposition in Canadian history, we are going to make sure that they get better. Hear, hear. We will spend this Parliament proposing